Salut, ici Oliver Plasma et Fireflav le beau gosse. On est parti pour une quatrième partie de Sonic Adventure DX. Et pour la première fois avec Fireflav, qui a bien voulu se joindre à l'aventure d'Adventure DX. On va passer ça parce que c'est... Ouais. Et j'ai l'impression que la musique me casse la tête déjà. Alors je vais mettre un peu moins fort, si vous le voulez bien. J'espère que ça soit une partie 4 passionnante. On va prendre des œufs. Alors vous êtes rendu à combien de pourcents environ de l'histoire, Oliver? Je suis rendu seulement à 20%. Ah oui. Non, mais en vrai, j'ai fini le jeu, mais... Dans... J'ai oui, même, j'ai été con, j'ai même fait l'histoire de Big. L'histoire la plus pourrie de l'univers. Mais bon, je l'ai fait juste pour faire l'histoire de Super Sonic à la fin. Oui, pour le fun, Oliver. Parce que l'histoire de Big, vous vous emmerdez pendant une heure. C'est beaucoup de dialogue. Non, c'est qu'en fait on pêche des poissons pendant une heure. Ah oui, mais c'est pas mal non plus. Regardez la gueule des persos, et oui, ils sont... C'est la Dreamcast. Hein. Ouais, c'est vachement simpliste, on va dire, mais... Bon, en même temps, c'est sur Dreamcast. Et il faut parler à la petite fée pour savoir où aller. Ouais, bah faut aller au casino. Oh. Non, c'est pas là-bas. Enfin, il y a plutôt un petit raccourci. C'est plus facile d'aller par là. Et là, nous sommes au casino. Non. Non, pas encore. C'est un raccourci. Là. Oui. Le casino, il est par ici. Casino. Waouh. Là, je me souviens de ce qu'il faut faire. En fait, dans le fond, ça ressemble un peu à GTA San Andreas. Parce que dans GTA SA, il y a aussi des casinos. Mais c'est quand même un peu mieux fait. Sauf que il n'y a pas de film de cul sur Sonic, hein. Ah oui, je pensais que... Ah oui. Bah, je pensais que les hérissons faisaient l'amour entre eux aussi, mais... Mais malheureusement, non. Non, parce que dans GTA, il y a peut-être des petits trucs olé olé. Oui, oui, on vous montrera ça plus tard. Quand la nuit sera plus chaude. Waouh. Ah oui, oui, je vois que c'est pas le même casino, quoi. Et là, en fait, il faut faire ça. Quand on a plein d'anneaux, parce que là je pense pas que je pourrais monter, faudrait qu'on balance plein d'anneaux par terre quoi, pour pouvoir monter là-haut pour prendre la Chaos Emerald. Ah oui, vous perdez des anneaux pour continuer dans l'aventure quoi. Non mais c'est ça le niveau qui est comme ça, et je crois que c'est l'un des niveaux les plus pourris. Bah il y a quelques niveaux comme ça qui sortent de l'ordinaire et qui sont vraiment ennuyants je pense. Ennuyeux. Ça doit pas être le seul. Faut faire du... Voilà. Oh. Attention. Et oui, Sonic est une petite boule qui tourne. C'est très bien parti. Bouton A pour lever les deux et puis bouton R pour bien sûr celui de droite. Voilà, un petit conseil pour ceux qui jouent en direct merde. À ce jeu d'Adventure DX. Ah. Il y a un espèce de bug. Ah non, c'est bon. Ah voilà, et là c'est un espèce de petit niveau quand on finit la partie, mais merde. Ces ennemis sont un peu chiants. Là j'ai ramassé une bombe, ça explose tous les ennemis à l'écran. Un truc super réaliste. Assassin's Creed, version Sonic. Alors pendant cette vidéo, je vais vous montrer un peu la recette du hachis parmentier, qui est une recette très très simple, qui est composée du hachis et du parmentier. Fireflav s'y connaît, en cuisine. Voilà. Là aussi, c'est un nid où il y a plein d'anneaux, hein. Mais on peut être riche ici. C'est le casino en même temps, Yuva. C'est le sous-sol. Ah bah, on va sortir par les toilettes. C'est dans le sous-sol où on compte l'argent du casino, gagné sur le dos des pauvres gens. Et voilà, il y a tout ça d'un coup, normal. Sonic devient riche en ramassant des anneaux par terre.
Voilà. Et son petit ami l'écureuil ne peut même pas en profiter. Il se dit merde et il se fait piquer par les pics. Mais aussi il faut savoir que notre ami Tails ne peut pas mourir. Et oui, c'est Superman. Mais on peut grimper, on peut prendre sa douche aussi. Ah oui, pas mal. Franchement, ouais. C'est vraiment un niveau très spécial. Regarde. Mais en même temps, Oliver qui prend pas sa douche. Yeah. Sonic qui prend sa douche. Ça ouais. Fait classe. Et il y a Tails qui est touché à côté, je sais pas pourquoi. Non. Une espèce de bug. Je sais pas qui c'est comme Volos, l'écureuil, pour venir dans la douche avec Sonic. Sonic prend sa douche avec ses chaussures. Et oui, il a toujours ses chaussures en pied, donc après c'est, comme, c'est pour ça qu'il va plus vite. C'est en prenant sa douche avec ses chaussures. Bon, ça ramène quelques petits anneaux. C'est toujours intéressant. Les anneaux qui disparaissent dans nos yeux. Et puis on voit là-bas, bon c'est un peu répétitif. Allez, tu vois. Oh mon dieu, c'est trop horrible. Il a pris mes boyaux. Bon voilà, et là on voit qu'il y a... On voit un truc assez étrange, c'est que les anneaux se sont transformés en pièces avec la gueule de Sonic dessus. D'accord. Et là vous venez de débloquer quelque chose, Oliver? Là, et ben au moins on peut... Enfin, faut en mettre un nombre suffisant pour monter jusque là-haut. Ah oui, d'accord. Et là-haut, il y a un boss, il y a quelqu'un qui vous attend. Oui, il y a juste une émeraude du chaos qu'on ramasse. Ok. C'est le niveau 8 comme ça. Je pensais que c'était plus passionnant que ça, mais bon. Quand on a toutes les émeraudes du chaos, vous savez ce qui se passe, bien sûr. Sonic se transforme en Super Saiyan. Ah oui, bien sûr. C'est très logique. Merde. On peut pas monter. On peut aussi un peu bouger... comme ça, mais bon, je vois pas trop l'utilité. Oui, vous voulez bien me rappeler quand est sorti Sonic Director's Cut sur GameCube? Tu parles de quel Sonic là? Bah, celui qu'on joue là. Sonic Adventure DX plutôt. Oui, voilà. Merde. Bah, il est sorti en 2003 sur GameCube. Et en 99 sur Dreamcast. Ouais, à peu près 98 ou 99 sur Dreamcast. Mais bon, ils ont presque rien évolué sur GameCube. C'est un peu une review, quoi. Ouais. Bon, ils ont amélioré un peu les graphismes, hein, pour faire genre. Non, plutôt la gueule, les persos, plutôt. Mais oui, sinon, ouais. Les graphismes, c'est un peu les mêmes. Franchement, on voit pas trop de différence. Et c'est pour ça qu'il a pas une très bonne note sur GameCube, pour les graphismes. Mais bon. Et il est tombé. Il y en a un autre flipper qui est beaucoup mieux que celui-là. Enfin, j'ai pris le mauvais en gros parce qu'il y en a un autre où on gagne beaucoup plus d'anneaux. Ah, quoique. Puis quand je dis ça, ben, je gagne pas mal d'anneaux. Enfin, pas mal, j'en ai gagné juste 20. Ah, et là, il y a juste en haut, il y a les 22 secondes. Là, ça veut dire qu'il faut aller là avant que les secondes soient finies. Firefly s'endort. Va-t-il s'endormir devant nous? Ça sera suivi sur la chaîne préférée de Firefly, qui est bien sûr la chaîne des chiens. On connaît tous, hein, Gulli. Gulli, voilà la chaîne des chiens. Alors que dernièrement, vous avez eu sur Gulli, je pense lundi soir à 20h50, il y avait eu Tony, le chien policier. C'était pas mal. C'était l'histoire de Tony qui a réglé ses comptes dans le quartier avec les autres chiens. Enfin voilà. Que des conneries quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que ce niveau est un peu long hein, parce que c'est un peu du hasard. Oula. Ah bon enfin je suis allé ici. Oula il a du mal à rentrer tu sais. Oh. On se demande ce qu'il fait là. Et vous voyez c'est dans ce genre de jeu qu'on n'a pas besoin de réfléchir dans ce genre de jeu. C'est vraiment... Ouais d'accord j'ai rien gagné. Tout au tac au tac. C'est du pif. On tire au pif. C'est au pif, bah, bien sûr, ça fait ça. Avec la super musique en fond. Bon, allez, je vais faire exprès de tomber parce que on gagne plus d'anneaux dans ce
dans les égouts que ici. Ah non, je tombe plus dans les égouts. Bon. La petite fée clochette. Oh, les voix sont en japonais ou en anglais, Olivier ? Elles sont en japonais, je crois. Ah oui, je sais même plus en quoi j'ai mis. Yeah. Ça, cas, c'est fait. En tout cas, sur ma GameCube, j'avais mis en japonais, mais je sais pas si ça l'a mis aussi sur ta Wii. Yeah, pas mal. Et Oliver, à chaque fois vous bon, faites... Bon bah c'est en anglais. Sur chaque vidéo, vous faites combien de niveaux, Oliver ? Pour me donner un peu une idée. De combien de niveaux il y a avec Sonic ? Ouais, non, mais sur chaque vidéo que vous faites, vous faites combien de niveaux J'en avais fait qu'un, je crois, un niveau. Ah oui. Mais bon. Et là, on est parti pour un deuxième niveau, alors. Vaut mieux 4. Faire une partie plus longue, parce que je trouve que 10 minutes, c'est pas assez. Oui, c'est sûr. Mais il y en a qui peuvent trouver ça un peu long. Mais ceux-là, on les emmerde, ils ont qu'à changer de chaîne. Vidéo. Il vient d'envoyer du poison. Non, je crois que c'était son gaz à lui. C'est pète. Ouais, ça se comprend. Hein. Qu'il a balancé, qu'il a retenu et qu'il les a mis. En fait, il a mis ses gaz dans sa machine pour après les rejeter sur Sonic et Tails. Tu vois, c'est en anglais. Ah oui. Mais les voix sont vraiment de mauvaise qualité. Non, en anglais, elles sont de très bonne qualité pourtant. Ah bon ? Les Sonic. Ouais, mais je vois que les voix sont pas en HD, hein. Ça c'est sûr. Ah, c'est ta télé pourrie. Ah, tiens, je sais pas pourquoi on voyait Tails voler au loin. Mais de toute façon, je crois savoir ce qu'il faut faire. Faut prendre le caillou là. Et puis le planter dans la terre pour découvrir l'anneau magique. Ice Stone, on dirait une clé que je pourrais utiliser au Mystique. Ah, bon, d'accord, en gros, faut faire du voyage. Le Mystique, je sais plus quoi. Le truc où il y a la pyramide. Ah oui, c'est un hôtel ou un machin comme ça. Non. Je pense pas trop en fait. Là, je connais pas du tout ce jeu, Oliver. Ouais, on peut aller sur les voitures. Waouh, la voiture est vraiment bien faite. Hein. C'est, ouais, vraiment, ouais. C'est vraiment tout au carré. Hein. Regardez-moi ça. Waouh. On dirait. Mais oui, on peut pas voir la personne qui est dedans. C'est vraiment impressionnant. La première fois que je vois ça. Utiliser la Redstone ou Mystic Ring. D'accord. Merci pour le conseil. En fait, je savais déjà. Alors, on y va. Et c'est une petite musique sympa. Qui donne un air de tango. De tango. Que vous danserez sûrement. Ah oui, là aussi on peut faire bouger le truc, je crois. Par le semaine déjà arrivé que le train il parte alors que je suis pas dedans, mais ça charge quand même le jeu. Mystic Queens. En fait, c'est pas un hôtel du tout, c'est derrière une... Et voilà. Ah, normal, normal. Le truc il casse comme ça, puis quand on arrive, salut, ouais, on peut passer maintenant. Et là, vous allez voir un truc assez intéressant. C'est un niveau aussi un peu spécial, comme. Enfin, pas spécialement spécial, mais à la fin, il y a un petit truc sympa. On pourra faire du skateboard, enfin du snowboard plutôt. Ah oui, sur la neige. Mais ouais, la clé flotte. Ah oui, bah je vois là, on est dans le monde glacial de la neige. La glace, c'est très bien modélisé. Comme d'habitude, Sonic, on se demande pourquoi il est sous l'eau comme ça. Ah oui, il est sous l'eau, là. Eh, il court. Ah ouais, ça se voit. Ça se voit qu'il n'y a vraiment aucune différence entre l'eau et l'air. Et la terre, je veux dire. Le quatrième stage. En tout, je crois qu'il y a 8 stages avec Sonic. 9 stages. En tout ? Ouais. Dans le jeu ? Ouais. Ah oui, bah on est au milieu du jeu, quoi. On a très peu des stages. Mais en même temps, c'est qu'il y a plusieurs persos. Et donc la durée de vie est quand même pas mal, même elle est très bien pour un Sonic. Mais Oliver, les phases de course comme ça, enfin de course de niveau comme ça, elles sont pas assez présentes dans le jeu par rapport au plus à plus les phases de jeu arcade comme on a fait tout à l'heure. Bah c'est beaucoup plus présent les niveaux comme ça, il y en avait qu'un seul niveau un peu arcade. Ah oui, bah ça va. Parce que le niveau arcade ça va bien, mais ça me fait chier un peu. Attention, pique. Fireflame n'y arrivera pas à ce niveau-là. Donc, je vous rappelle que c'est bien Oliver Plesma qui a les manettes en main. Et ça se voit. Merde. Faut d'abord faire tomber le... Non, là c'était pour faire la prière. Eh oui,
Non, c'est pour... Ça servira après, d'aller ici. Ouais. Alors, il y a quelques petites énigmes, comme vous voyez. Résoudant. Bon, je trouve quand même que Sonic est pas mal modélisé. Ils ont quand même fait un petit effort pour la version GameCube, pour ça. Tails aussi, mais sinon, pour Amy, c'est assez moyen. Il fallait au moins ça. Mais on court là-dessus, sans tomber, bien sûr. Ouais, parce que si vous tombez, vous êtes un bolos, hein, vraiment. Et ça, faut juste appuyer sur A, 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 et encore A, et encore A, et encore A, et encore A, etc. Voilà, c'est... Regardez, et voilà, la petite énigme est résolue, déjà. Une énigme pas très folichon. Et c'est parti pour le snowboard. Aïe, aïe. On va voir la gueule de Sonic. Le moment que vous attendiez tous dans la vidéo. Le moment culte. C'est le snowboard. Est-ce qu'on peut se casser les gueules? Non. Ah oui, d'accord. Bah, ça n'a aucune utilité, alors. Enfin, si, on peut se planter. Ouais, mais on récupère des pièces, surtout. Mais aussi, faut finir le plus vite possible, ce niveau-là. Ah oui. Je pense. On peut pas se faire tuer par l'avalanche, par contre. C'est con. Là, en gros, je fais pas grand-chose, à part tourner. Et puis là, bah... Si... Ah, là, on est dans une vue un peu plus dynamique, quand même. Je préfère cette vue-là. C'est normal, au début c'était pour montrer l'avalanche derrière, et là maintenant c'est juste pour... On est en phase d'action. En phase d'action. Bon, on peut péter la glace, mais bon, c'est pas très bien fait. Je pense qu'on a déjà vu ces phases de jeu dans Sonic et Mario aux Jeux Olympiques d'hiver. Oui, mais sauf que c'est largement après Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Oui, oui, mais ils sont peut-être inspirés un peu de ça, on sait jamais. Oui. Sonic, ça fait beaucoup plus sport que Mario. Mario, c'est un petit Italien tranquille dans sa baraque. Non, je regarde. Ouais, Mario, c'est plus pour le fun. C'est plus... Sonic, ça fait plus sportif. Il y a du skateboard, il y a du snowboard. Ouais, Mario, c'est le mec qui se rase pas. Il y a la vitesse que Mario, c'est un petit Italien qui va sauver la petite princesse qui se fait toujours kidnapper par un petit... Ouais, c'est le genre de mec qui chie dans sa salopette, quoi. Ouais. Ah, non, mais il faut dire les choses, Oliver, à un moment... Faut dire la vérité aux enfants qui nous écoutent. Hein. Je suis pourtant fan de Mario. J'ai très bien aimé les Mario Bros. Et là, je me suis planté pour faire les acrobaties. Mais c'est pas grave parce que j'ai fait un générique pour la fin des vidéos de Sonic Adventure DX. Mmh. Et on pourra voir ce niveau-là que je ferai en entier, je pense. Enfin, on verra plutôt la fin et où je réussis à faire les acrobaties. Et c'est terminé. Et c'était une belle descente de la part d'Oliver Plasma. En 3,50 et 56 centièmes. C'est incroyable. Yeah, pas mal. C'est pas mal, oui. 4 emblèmes, c'est incroyable. Et nous sommes encore dans les Mystic Ruins. Impressionnant. Oh, c'est calme. On a eu un petit blanc. Ouais, c'est la musique qui n'a pas encore démarré. Voilà, un petit bug du jeu. Mais ça m'a fait très bien, ça m'a fait du bien ce calme. Parce que la musique est vraiment... Il y a des beaux gosses. Ah salut, ouais, c'est un petit vacancier ça. Je parie qu'il s'est fait un trou à côté du camping pour chier dedans. C'est connu, c'est quand on va combattre ce Knuckles. Et ouais, il a la classe. Ah oui, il y a des combats quand même face à des boss. Enfin, c'est pas trop un boss en fait. Ouais, mais non, il a moins la classe parce que les cheveux longs ça le fait moins. Que Sonic a des cheveux plus en hérisson. C'est plus la classe quand même. Ouais, mais c'est pas un hérisson, je pense, Knuckles. Ah bon, c'est un quoi alors? Une souris? Ce qui me fait penser un peu à Mickey, c'est pour ça. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais je sais plus comment ça s'appelle. D'accord. Et là, vous entendez bien la musique qui veut dire c'est le moment de battre. Le Meiko. Les thèmes sont pas mal. Merde. Enfin, celui-là est par contre moyen, mais il y a des thèmes de niveau qui sont vraiment pas mal. Bah, comme je vous l'ai montré dans la première partie. Oh, l'émeraude, il a perdu l'émeraude, Oliver. En fait, les deux veulent avoir les Chaos Emeralds, et Knuckles ne comprend pas, il croit qu'il va faire quelque chose de mal. Il croit que Sonic va faire une connerie avec les Chaos Emeralds. Et voilà le connard du siècle qui vient récupérer les deux émeraudes. Voilà. Et c'est Knuckles qui s'est encore fait avoir par Dr. Robotnik, car il se fait toujours avoir par Dr. Robotnik, ça on le sait.
Il est très doué, Knuckles. Même on va voir Sonic. Est-ce qu'il y aura un combat? Voilà, Eggman t'a encore dupé, et oui, hein. Knuckles se fait toujours duper par Dr. Eggman, le Dr. Cramdeuf. Et là, il va transformer le chaos là en super chaos, on va dire. Là, il va se transformer, il va ressembler encore à rien du tout. Ah oui, effectivement. On se croirait dans Dragon Ball Z avec les transformations, mais bon. Ah oui, là, ouais, on s'y croirait. L'environnement, en plus, s'y prête. Et là, je pense qu'on va combattre un boss. Et oui. Et ouais, c'est le chaos version poisson, mais qui ressemble pas à grand-chose. La caméra n'a plus de... Comment ? Il n'a plus de batterie. Magnifique. Ce qui veut dire que nous allons bientôt terminer la vidéo. Au moins battre le boss. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à le battre facilement? Rapidement? En une minute. Bon, on va peut-être y arriver. Peut-être. Peut-être un peu plus en fait. En fait, il faut qu'il ressorte sa tête. Je sais pas pourquoi Firefly, mais j'ai l'impression qu'on a à la fin des vidéos avec votre caméra, et bien à chaque fois on dit qu'il reste plus beaucoup de temps. La magnifique musique qu'on connaît pas de Firefly. C'est quoi? Ah, une nouvelle attaque, les attaques Google. Une attaque qui ressemble un peu à rien. Pourquoi en fait il va ressortir ses petites têtes? Ah voilà. Voilà, allez Oliver, essayez de le battre. Attention, plus que quelques secondes. Mon dieu. Que va-t-il se passer dans cet épisode? Est-ce qu'Oliver Plasma va y arriver? Mettez un commentaire. Est-ce que Oliver Plasma va se noyer? Est-ce qu'Oliver Plasma va mouiller son petit caleçon? Est-ce que Fireflav va avoir mal au cul? Est-ce que Fire... Nous allons savoir tout de suite ça. Après la pub. Non, je... Allez, Oliver, allez, sors ta tête. Je commence à stresser, là. Il veut pas sortir sa tête. Surtout, bon, faut pas être désolé pour la coupure, hein. C'est parce qu'il restait plus de batterie. Mais on va continuer le combat contre le boss, avec Oliver Plasma aux commandes. Bon, en fait, c'était plus la fin. Ah oui. Et voilà, Oliver Plasma a battu le boss. C'est vraiment un boss, Oliver Plasma. Et là, on va voir une petite cinématique qu'on ne va pas passer. Voilà. Avant de vous dire à la prochaine. Parce que après, ce sera le prochain niveau, n'est-ce pas, Oliver? Oui. Qui sera la partie 5. Que vous verrez en intégralité chez vous, devant votre ordinateur. Vous avez l'habitude de regarder des filles à poil. Oui. Fireflav a de drôles d'idées. On voit que Dr. Eggman ne ressemble à rien. Les effets spéciaux sont assez moyens aussi, mais bon. Oui, enfin, ça va, Oliver, quand c'est, même. Hein. C'est de la Dreamcast. La Dreamcast est une des consoles qui a été la moins rentable du siècle. Allez-y sans moi. Moi, je vais aller tout seul. Je suis un big boss. Ne chargeons de tout, Knuckles. Allez, pars-toi. Dégage. Bon, les sports. On peut jouer avec Knuckles. Ouais. Maintenant, on peut jouer avec Knuckles, mais on va pas jouer avec Knuckles parce que toutes ces parties seront qu'avec Sonic. Et on va aussi montrer le petit bug de la fin. Oh, voilà, le petit bug sympa de la fin. Sonic qui avance un peu. C'est magnifique. Voilà, c'est un peu du moonwalk, si vous le faites en arrière. Voilà. Et Oliver Plasma va nous donner tout de suite le mot de la fin.
à l'envoyure pour de nouvelles aventures. Avec Fireflav, et je vous dis tout de suite, j'ai la chasse.